Coucou tout le monde, on se retrouve dans un nouveau vlog. Et oui, j'ai décidé de revloguer tout simplement parce que j'ai kiffé faire mon vlog et kiffé aussi faire le montage de mon vlog à Disney. Pour les personnes peut-être qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller la regarder. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et aussi, donnez-moi peut-être des idées de vidéos à faire parce que c'est vrai que je fais un peu sur le tas. Donc voilà, ça me ferait super plaisir si vous me donnez des petites idées et des petits conseils parce que c'est toujours utile. On n'est pas que là pour vous donner des conseils mais aussi pour en recevoir. Enfin bref, ce que je voulais... Non, en fait je vais vous expliquer brièvement. Ouais non mais c'est horrible. Ça fait 40 fois que j'essaye de faire cette intro là. Et voilà, j'arrive pas. C'est dur hein. Franchement faut pas croire que c'est facile hein, mais c'est compliqué hein. Enfin bref, ce que je voulais vous... Oh là là la merde. Oh c'est horrible. Enfin bref, ce que je voulais vous dire, voilà, je voulais vous dire que donc voilà, on part à carrière sur scène, je crois que je l'ai déjà dit, je sais plus. Donc de toute manière, je mettrai en barre d'infos toutes les informations nécessaires. Et si vous avez encore des questions à me demander, n'hésitez pas encore une fois à le mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous laisse découvrir et partager ce petit moment avec nous. Un petit room tour, franchement juste comme ça c'est juste trop beau, enfin c'est trop mignon, c'est trop cosy, c'est les couleurs que j'aime trop. De toute façon je vais vous laisser voir et vous me direz si vous aussi ça vous plaît. Et voilà, donc là ici il y a les toilettes hein, et la salle de bain, donc voilà une baignoire, ça c'est trop cool. Ensuite voilà le lavabo, non franchement c'est trop mignon, j'aime trop. Donc voilà. Voilà, voilà, petite baignoire, un petit sèche-cheveux, voilà les produits qui nous mettent tout le temps. Donc, il y a un lait pour le corps, il y a un shampoing, c'est trop mignon, en plus ils sont trop jolis, et un cheveu gel et corps. Donc voilà, c'est comme ça, il y a des petits savons. Voilà, il y a des petits gobelets. Enfin, c'est trop joli, j'aime trop. Regardez la couleur. J'aime trop, c'est trop beau. C'est beige, marron. Et voilà, il y a un petit chauffage de ce côté-là. Donc ensuite, il y a un interphone. Je ne sais pas c'est pourquoi. Peut-être que s'il y a quelqu'un qui sonne, c'est ici qu'on doit répondre. Ensuite, il y a un grand miroir ici. Voilà, comme ça. Ensuite, de ce côté-là, il y a un placard. Attendez, je vais dézoomer parce que je pense que... Ah non, même pas. Donc voilà, il y a un placard ici. Voilà, il est comme ça. Un placard de rangement, toujours utile. Oups, pardon pour le bruit. Ensuite, là, il y a la chambre. Tout de suite, donc il y a une porte ici. Hey! Il y a une... Voilà, la chambre. Enfin, c'est trop beau, j'aime trop les couleurs. Donc je vais vous faire un aperçu comme ça, un peu de loin. Donc voilà, c'est comme ça. Voilà, ensuite, il y a aussi un placard ici.
Donc voilà, ouais, un placard de rangement, pareil, toujours utile, mais bon, on reste qu'un jour, donc on va pas s'étaler de partout. Voilà. Un téléphone, oui, parce que la réceptionniste, elle nous avait dit si on avait besoin de quelque chose, bah, on composait le neuf et voilà. Parce que oui, c'est ce qui est bien, c'est que la réception, elle reste ouverte 24 heures sur 24. Donc ça, c'est cool. Si on a besoin de quelque chose, bah, on peut les appeler. Donc voilà, après, il y a la télé. Regardez les chaises, comment elles sont trop mignonnes. Elles sont trop belles, j'aime trop. Donc voilà, ils nous ont mis aussi des petits chaussons. Ça, j'aime trop parce que... Enfin, c'est pas que j'aime trop, mais c'est des petites attentions qui sont trop mignonnes. Enfin, qui font tout, quoi. Donc après, voilà, les rideaux, ils sont aussi jolis. Donc voilà, ensuite, ils nous ont mis une bouteille d'eau. Ah oui, parce que j'avais oublié de ramener une bouteille d'eau au vlog précédent, enfin, au week-end précédent, et j'ai eu soif toute la nuit. Et comme j'ai bu l'eau des toilettes, non, l'eau de la salle de bain, enfin, c'est vrai qu'elle n'était pas très bonne. Donc ensuite... J'ouvre la porte et là il y a une petite cuisine. C'est trop mignon. Ouais, voilà, pour les personnes qui veulent pas aller manger à l'extérieur ou au restaurant, bah, ils ramènent leur petit repas et ça c'est cool. Donc voilà, il y a une gazinière. Voilà, une petite cuisine quoi, un lavabo, etc. C'est quoi ça? Ça c'est un petit kit de cuisine. Oui, donc voilà, il y a une éponge et du liquide vaisselle. Oh merde. Oups. On va éviter de tout casser maintenant, hein. Donc voilà, c'est quoi ça? Produit vaisselle, ouais. Produit vaisselle. Oh, c'est trop mignon, franchement, il y a plein de petites attentions qui sont hyper adorables. Oh, c'est trop... Oh, j'aime trop. Voilà, il y a des petits verres, des assiettes, même une cocotte, quoi. Ouais, en fait, c'est des... comment vous dire, mais c'est des petits studios. Ouais, c'est des studios, en fait. Il y a des gens, j'ai vu une personne qui avait fait vraiment des courses, quoi. Donc ouais... Autant ramener son manger, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique. Ensuite, bon, il y a un petit coffre-fort. Voilà. Un autre placard, mais je crois qu'il ne s'ouvre pas. Alors, attendez. Non, c'est fermé. Oui, il y avait un placard ici, mais je crois que ça, on a besoin d'une clé pour l'ouvrir. Bon, bref, il y a plein de placards, quoi. Ouais, voilà. Oh, mais c'est trop cool. Oh, j'aime trop, c'est trop bien. Il y a tout, quoi. Il y a le frigo qui se trouve ici. Voilà. Et ce qui est le top. Alors regardez, ici vous pouvez déjeuner, c'est trop mignon. Mais ce qui est trop bien, c'est qu'il y a, comme vous pouvez voir, il y a un balcon. Et le balcon, il est juste super grand. Alors je vais vous faire un petit aperçu du balcon. Donc voilà, on a une chute comme ça. Alors regardez, c'est le... je sais pas si vous voyez d'ici, un petit peu devant, désolé si vous ne m'entendez pas très bien, donc c'est le Residom Apart Hotel. De toute manière, je vous mettrai en barre d'infos tout ce qu'il faut. Donc voilà pour le petit appartement tour. Ouais, c'est appartement tour, c'est même pas room tour, mais c'est appartement tour parce que... Voilà. Non, franchement, c'est trop mignon. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez sur la vidéo, enfin sur les commentaires, si vous trouvez ça super mignon. Donc voilà. Bon, j'ai eu une petite galère, hein, mon selfie s'est cassé, donc je filme à la main, ouais. Et c'est un peu chiant parce que aux alentours, il n'y a pas grand-chose. Franchement, enfin, on voulait aller au KFC, mais c'est à 30 minutes d'ici. Donc au final, on va manger dans un petit restaurant turc. Qu'on a trouvé sur la route. Donc voilà. Là, on va descendre en bas. On a une petite faim. Pourtant, on a super bien mangé. Franchement, c'était assez copieux. Mais là, on a une petite dalle. Donc voilà, on va manger. Voilà, on a pris un petit paquet de chips, des bonbons à la banane et des nouilles de blé instantané asiatique. Voilà, on va combler notre faim avec ça. Bon, là, on va faire un petit jeu hein, pour faire passer le temps. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu, c'est Challenge Chamallow, je ne sais plus c'est trop quoi le titre de ce challenge. Mais bon, c'est un jeu avec les chamallows. Mais là, vu qu'on a des bananes, on a décidé de faire bah, le challenge banane. On va l'appeler comme ça. Donc, je vous laisse voir ce que ça va donner, tout simplement. Vas-y, commence.
Tu dois dire banane. Banane. Moi, je les corse sur le côté Banane. gauche là. Ah oui, merde, j'allais les manger. Banana. Fais pas trop le. Je vais pas assumer. Banane. T'en as mangé une, toi, je t'ai Non, non, cramé. j'ai pas mangé. Banane. Ah, mais en plus, ils sont longs, ils font mal. Banane. Banane. Après, tu les manges ou pas? Bah oui, tu vas pas les jeter. Banane. De la place, de la place. Banane. T'as pas dit. Banana. On a mangé combien là? Toi, je t'ai cramé, tu mâches. Non. J'en ai 6. Banane. Banane. Banane, banane, vite, vite, vite. Banane, Banane. vas-y, c'est à toi. Mais tu m'as rien fait là! Je les mange! T'es Tu dois con. pas les manger! Banane! Vas-y, vas-y, ça sort. Arrête de C'est chasse mieux, ça toi! sort. Non, non! Oh, Je tu les as mâchés! Oh, regarde comment ils sont clean! Toi, ils sont tout bouillés! Banane. Banane, Banane! banane. Ah, Bayern. Banane. Ça sent vite. Bayern. Banane. Parce que je sens que tu m'arnaques là. Bayern. Banane. Fais ah. Pourquoi ils sont tous broyés les tiens? Non, ouais, ils sont tout beaux. Là, c'est tout. Ah, j'ai envie de vomir. Oh. Boy. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette petite défaite? Bah, je dirais pas ça comme une défaite parce qu'on n'est pas parti sur les mêmes points que l'adversaire. L'adversaire avait une grosse bouche, moi j'en avais une petite, donc on n'était pas dans la même catégorie. Je pense qu'elle était dans le poids lourd et moi j'étais dans le poids faible. Poids léger ou pas faible? Poids léger, oh. Ensuite, je pense qu'après chaque défaite, on doit faire un défi. Un défi. Pour surmonter cette défaite et pour nous rendre plus forts. Donc moi au jour d'aujourd'hui j'accepte un défi de Chivo pour Chimois qui viendra chez moi de Chivo. Et ce défi-là je peux le faire partout. Vous pouvez me proposer n'importe quel défi, ici ou dans la rue. Je peux descendre dans la rue, comme descendre chez moi. Et voilà. Et j'attends de vous vos salutations. Et mettez un pouce bleu pour le défi. Et un pouce comme ça. Comme ça. Comme ça, si vous n'aimez pas, vous faites ça. Parce que des fois, il y a des gens, ils aiment pas, ils sont. Mais vous faites ça si vous aimez. Quand même, si... Mais si vous aimez un peu ou beaucoup, vous marquez le commentaire. Vous marquez je n'aime pas, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Et vous mettez une fleur à côté, comme on te fait beaucoup, passionnément, à la folie. Tu vois le truc? Et hasta la vista, les amis. Bah voilà, là on quitte l'hôtel. On va se diriger sûrement. Oui, j'ai mon lisseur parce qu'il est encore chaud, donc je le porte à la main. Oui, donc je disais qu'on va se diriger vers Paris. Voilà, on va faire un petit tour.
à l'avenue Rivoli. Je ne sais pas si vous connaissez. On est passé hier par là et il y avait plein de magasins. Donc je trouvais l'occasion très bonne pour y aller. Donc voilà, voilà, là on y va. Et de toute façon, je vous emmène avec moi. Et je vous dis à tout de suite. Bon, bah ça fait exactement 45 minutes qu'on tente de trouver une place sur Paris. Bon, on savait clairement que ça allait être difficile d'en trouver une, mais là c'est vrai qu'on est un peu blasé. Ouais, on a fait complètement le tour de Châtelet. On est où là? Ouais, on est à la République, enfin on a fait tout le tour. En plus on avait oublié que bah, les magasins ils étaient pratiquement tous fermés. Donc c'est un peu embêtant, mais bon, c'est pas grave, on va profiter de ce qu'il y a et puis voilà. Bon bah on vous retrouve quand on aura trouvé une plage. Je pense que ça va être la danse de la joie parce que là c'est vrai, on est complètement blasé. Mais bon, c'est pas grave, on tourne et on verra. Bon bah ça fait exactement 45 minutes qu'on tente de trouver une place sur Paris. Bon, on savait clairement que ça allait être difficile d'en trouver une, mais là c'est vrai que... on est un peu blasé. Ouais, on a fait complètement le tour de Châtelet. On est où là? Ouais, on est à la République. Enfin, on a fait tout le tour. En plus, on avait oublié que bah, les magasins ils étaient pratiquement tous fermés. Donc c'est un peu embêtant, mais bon, c'est pas grave. On va profiter de ce qu'il y a et puis voilà. Bon bah, on vous retrouve quand on aura trouvé une plage. Je pense que ça va être la danse de la joie parce que là, c'est bon, on est complètement blasé. Mais bon, c'est pas grave, on tourne et on verra. On vient enfin de trouver une place, alléluia. T'en pouvais plus, hein? À l'extase. J'espère qu'elle rentre, hein. On dirait que j'ai gagné Euro Million. Oh là là. Bon bah là on se promène un petit peu sur Paris. Bon, on va aller manger et oui, je préfère vous prévenir mais je suis pas sûre de pouvoir filmer jusqu'à la fin parce que bah, j'ai plus de batterie, donc ça va être un petit peu embêtant, mais bon là on va aller manger. Si je peux prendre quelques photos, je ferai ça, mais les vidéos, je pense que je vais m'arrêter ici. Donc j'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire bien évidemment ce que vous... je sais même pas où tu vas, ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et oui, donc abonnez-vous, ça me fera super plaisir et ce sera beaucoup plus simple pour vous de suivre mes aventures. Donc voilà, voilà, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt.